La machine à café. Avant toute chose, merci d'avoir répondu présent pour l'inauguration de cet espace détente. Alors rassurez-vous, je ne vous ferai pas de long discours pour ne pas gâcher cette petite fête. Toutefois, je tenais à souligner l'importance de cette machine en tant que lieu de contact, de sérénité et de détente, un peu comme le point d'eau dans la jungle où viennent s'abreuver tous les animaux, en oubliant leurs différences. Alors, qui le lion, qui le zèbre, qui les gazelles charmantes. Bravo ! Allez, on applaudit tous, Charlie ! Je vous laisse avec le Michel-Ange de l'Expresso, Monsieur Graziani. Allez ! Bravo, Changi ! Alors voilà, je vous présente cette machine à café, qui est plus qu'une machine à café, hein. C'est, comment dire, le débit de boisson de l'an 2000. Hein? Avec, par exemple, ici, vous avez le potage. Alors, le potage, plus de 20 choix, là. Vous avez velouté, soupe, bouillon, gazpacho, minestrone, tutti quanti, hein. Alors, vous pouvez faire des mix, et tout se fait, évidemment, au millimètre. C'est technologiquement calibré. Le chocolat est... Enfin, il y a la mousse dans le chocolat? Signorina, vous me demandez s'il y a de la mousse dans le chocolat. Mais c'est carrément un bain de mousse chocolatée. Hein? Alors, par exemple, pour le café, vous avez carrément, c'est le délire cosmique, là. Vous avez café court, sucré, lent, sans sucre, cappuccino, liégeois, avec du lait, sans lait, avec crème, avec l'aspartame. Hein? Après, alors, vous avez l'été. Alors là, on passe carrément dans la folie terrestre. Hein? Les menthes, d'Argeline, tutti i frutti, cinese, inglese. Vous avez même du thé fumé. Hein? Vous appuyez sur deux boutons et ça s'opère comme par magie. Mais oui, mais si on trompe dans la commande et qu'on se retrouve avec un café vermicelle liégeois ou avec un thé au jus de poireau, je n'y arriverai jamais. Si, non, non signore, non, guarda, c'est simple. Si vous avez un problème, n'importe quoi, quelque chose que vous ne voulez pas, vous appuyez sur le bouton qui s'appelle oui. Annulation oui, et oui. Ça s'annule. Oui, mais monsieur Graziani, c'est vrai que le problème que Maëva se soulève est important quand même. Les non, mélanges, c'est un peut... truc en fait. Hein. Mais oui, c'est un peu compliqué. Ça tout le monde. Puis je sais même pas quel prix c'est. C'est une bourre. Tu vas pas me dire qu'un gazpacho, c'est le même prix qu'un café, par exemple. Qu'est-ce que vous avez fait ce budget? Vous avez venu ici. Aspetta. Expliquez-nous. Attendez, ce que je vous propose, c'est simplement une seule chose. Je vous fais une démonstration. Tournée générale. Ok. Allez, voilà. Maintenant, attention. Surprenez-moi, je tiens à. Demandez-moi quelque chose de très fou, un drôle fou. Vas-y. Bon, allez. Moi, regardez. Je me lance un café court sucré. Bon, sucré. Oui, sucré, un café court. Alors, tu vois, tu appuies là, tu vois, c'est 22. Hein? Souviens-toi le mien des 22 parce que je pense que toi, tu aimes bien les cafés, non? Oui. Ah ben moi, pareil, tiens. À 22 aussi. Ouais, moi aussi. Ouais. Moi, je sens bien. Café sucré. Non, sucré. Ouais, non, ouais. Allez, sucré, sucré. Bon, maintenant, à 22 aussi. Et 2 22, ça fait 44. Alors, 2 22. Stop! Je n'avais rien compris. Hein. Quoi? Vous comprenez rien, quoi. Je suis en train de vous dire que c'est une Rolls du débit de boisson. Il y a plus de 2000 options. Et qu'est-ce que vous me demandez, vous? Un café, sucré ou non sucré? Ah non, mais ça, c'est typiquement français. Hein. C'est le côté petite mentalité bien bourgeoise. Hein. Ah, faut aller au forceps hein, pour faire avancer les choses. Mais vous êtes complètement débile. Un 22, un café, c'est tout. Il y a 12 000 trucs veloutés, Darjeeling, des cappuccinos. Mais vous êtes plus italien, je comprends pas, là. Mais arrête avec ton Italie, toi. C'est simplement mon boss qui m'a filé ce nom à la con pour que ça fasse plus exotique. Bah j'en ai marre de ce boulot de merde, j'en peux plus. Non, allons. Je vous ai trouvé brillant au contraire. Non mais vraiment, n'est-ce pas? Oui. Allez, Jean-Claude, vous prenez quoi? Oui. Allez, soyez un peu. Allez, bah un gazpacho. Un gazpacho, très bien. Oui, ensuite Hervé, un cappuccino. Faites le malin. Non mais d'où c'est pas un distributeur. Jean-Claude. Attendez, une fois n'est pas coutume, allez, servez-moi un petit café court. Un 22. Un 22. Un 22 quoi. Allons. Non, 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 non,